Le Flash Info Local, avec la rédaction d'RTVFM. Bonjour à toutes et à tous, voici tout de suite vos informations locales. Le centre social et citoyen Loutricadou réintègre, après 2 ans d'absence, les locaux de l'entracte au Pou du Plan, mis à disposition par la ville de Carpentras. À nos micros, Denis Savane, président du centre social et citoyen Loutricadou, nous en dit plus. C'est un retour parce que cette salle de l'entracte, est une salle qui nous est mise à disposition par la municipalité de Carpentras, a été fermée il y a quasiment 2 ans. En fait, il y a même plus longtemps, c'était un accueil de loisirs pour les enfants, pour les jeunes enfants. Et compte tenu de la situation d'insécurité dans le quartier, l'État nous a retiré notre agrément pour y accueillir des enfants. Tant bien que mal, après, nous y avons maintenu certaines activités. Ça devenait trop difficile. Et donc, depuis 2 ans, cette salle était complètement fermée. Et notre conseil d'administration a décidé, face à la demande des habitants de quartier du Pou du Plan, de réinstaurer au cœur du quartier des activités. Et donc nous avons profité aujourd'hui de cette journée des vœux aux salariés, aux bénévoles, à la presse et à l'ensemble de la population de réouvrir ce lieu qui était quand même un lieu important du centre social et citoyen Loutricadou. Les démarches liées au titre de séjour sont gratuites. Dans le cadre des démarches liées au titre de séjour, certaines entreprises ou particuliers proposent aux usagers un accompagnement moyennant rétribution. Ces pratiques, si elles sont réalisées dans la légalité, ne sont pas répréhensibles. Cependant, la préfète de Vaucluse tient à rappeler les points suivants. Les démarches liées au titre de séjour auprès des services de l'État sont entièrement gratuites. Des taxes peuvent être appliquées sur l'obtention d'un titre, mais ne concernent en rien la prise d'un rendez-vous et le déroulement de la procédure. Aucune entreprise n'est agréée par les services de l'État en Vaucluse pour réaliser les démarches liées au droit du séjour des étrangers en France. Aucune entreprise n'a un accès privilégié à un calendrier permettant d'obtenir un rendez-vous autre que ceux affichés sur le site vaucluse.gouv.fr. Bilan des Noëls insolites 2022. Pour cette édition 2022, la ville de Carpentras a comptabilisé 130 300 visiteurs, 20 100 en provenance d'Avignon, 10 000 en provenance d'Orange ou encore en provenance de Lille-sur-la-Sorgue et 3 900 en provenance d'Aix-en-Provence. La patinoire a vu augmenter sa fréquentation de 14% sur la même période par rapport à 2021. Carpentras, depuis ce lundi 23 janvier, les travaux de réhabilitation du plan Porte d'Orange ont débuté. De ce fait, la route est barrée, la chaussée rétrécie et le stationnement interdit, et ce jusqu'au 24 février 2023. On passe maintenant à vos prévisions météo pour ce jeudi 26 janvier. Et dès ce matin, le soleil est bien présent sur notre département, avec peu ou pas de nuages dans le ciel. Le Mistral est déjà bien présent sur l'ouest du département, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Dans l'après-midi, le soleil sera toujours de la partie avec du vent, et des rafales souvent comprises entre 30 et 40 km/h. Côté thermomètre, ce matin, il reste encore très bas sur l'est du département et à l'abri du vent, avec de moins 6 à 1 degré. Dans l'après-midi, comptez 8 degrés à Cavaillon et Saint-Rémy-de-Provence, 9 degrés à Carpentras et Ville-sur-Ozon. Je vous souhaite un très bon jeudi à l'écoute d'RTVFM.